des mirages, j'entends sauter des temps, des pierres, qui justement qui est l'instigateur de ce concept de galerie à l'extérieur, tout se passe dehors, si tu veux. Si il y avait un partenaire Richard Jean, deux mecs Richard Jean. Employés communaux contraints de nettoyer derrière eux. Un rituel du mercredi, de mars à juin, pour annoncer l'arrivée des beaux jours, même quand les beaux jours n'arrivaient pas. On les attendait avec plus d'excitation qu'on en éprouvait pour la venue du médecin le lundi, du camion de la Migros le samedi et du crieur de l'auto le dimanche. Le safari mulet, c'était un concept pour les urbains fatigués, disait la publicité. Un concept qui amenait au village entre 15 et 20 personnes, de tous âges, de tous horizons, partis à pied du bas de la vallée avec une dizaine d'équidés, censés les soulager du poids de leur sac, du poids de leur corps, voire même du poids de leur existence. Ils étaient emmenés par un suissement bien bâti, dissimulant derrière une barbe foisonnante, des lèvres capables de rougir en 5 minutes. Longtemps d'ailleurs, Mona pensait que pour être polyglotte, il fallait être poilu ou suissamment. C'est l'abbé qui avait balayé son ignorance en lui laissant quelques miettes. Mona, ma petite Mona, Cléopâtre parlait égyptien, grec ancien, latin, araméen, sans avoir à se raser le nez. Les courageux marcheurs étaient en principe attendus à midi pour un menu chaud servi sur la terrasse par la maman de Mona. Les habitués de la table ronde avaient très vite compris le principe. Soit le groupe et leur mule débarquaient à 11h30, et c'était la preuve qu'ils étaient unis ou pour le moins entraînés, soit ils se pointaient au-delà des 12h30 et on pouvait alors miser sur le nombre d'ampoules de foulure et autres dégâts que les frottements de la vie, surtout les frottements de la vie en groupe, finissent toujours par faire apparaître. Le patron du bourg racontait encore 5 ans après les faits le fameux crépage de chignon entre une distinguée anglaise de 55 ans et une jeune américaine de 28 ans. Il avait fallu l'intervention de Cyril, l'installateur sanitaire, pour les séparer. Cyril, qui par la suite entretint une correspondance assidue avec la Queen of the Blue, comme elle se baptisa elle-même, et dont les cartes postales trônaient encore au-dessus du bar. My dear Cyril, my savior, furent les premiers mots d'anglais que Mona enseigna la nuit tombée à son fond commun.
La présence de cette vingtaine d'étrangers qui soignaient leurs pieds et mangeaient la soupe n'était pas sans effet sur la communauté. Les jours de safari, il émanait du village une vibration particulière. Les shorts à ras le fessier, la chemise nouée au-dessus du nombril, le bikini sur jeans à deux pas du clocher, plongeaient la communauté dans une certaine fébrilité. Pour la fromagère dont le mari 4 mois durant était privé d'apéro le mercredi, c'était même carrément dégueulasse. Même les habitués de la table ronde modifiaient leurs saintes habitudes. Elysia, qui se coltinait au service leur aboiement le reste de l'année, avait d'ailleurs menacé de faire grève s'il continuait à ronronner de la sorte. Pour calmer les esprits, M. l'abbé du haut de sa chaire avait fini par aborder cette question dans son sermon. Certes, Adam et Ève vivaient nus, ils n'en avaient pas honte, mais n'oublions pas que croquer dans la pomme, c'est se priver de vivre au paradis. Considérez, chers frères et sœurs, que notre village, c'est le paradis. Ces histoires d'adultes n'avaient ni la queue ni la tête de son nouvel amour. Pour elle, dans sa Paris Mulet, il était mulet. Elle en avait repéré un qu'elle avait baptisé Humagne Blanc. Le jour où Yvon le vigneron avait élevé le cépage au rang de breuvage exclusif des seigneurs, des évêques et de leurs femmes enceintes. Chaque mercredi, Mona guettait l'arrivée de l'animal. Elle repérait son trottinement, détestait aussitôt celle ou celui qui pesait sur son dos, et dès que le barbu polyglotte l'avait attaché le long du muret, elle lui collait au crin jusqu'au départ de la caravane, confiant à ses grandes oreilles attentives des secrets que même son phoque blanc ignorait. Ah, les mulets, leurs grands yeux aux longs cils, ce regard profond et un peu mélancolique, les mêmes que ceux de Simon après le départ de Victoria, son épopée hollandaise aux jambes de sauterelle, qui avait dû passer une nuit au village pour soigner ses 21 cloques et qui, après avoir goûté à la pétardine, l'avait goulûment embrassée en disant « Au son nectar, ich zahlt je reviendrai. » 2 ans que Simon attendait avec son regard de mulet, Ferda. Et puis la guerre en Irak éclata, et quelques mois plus tard, le bourreau reçut une lettre annonçant la fin des safaris. Les inscriptions s'étaient taries, les Américains ne voyageaient plus, le franc suisse était trop fort. À la grande joie de la fromagère, les mercredis perdirent leur exotisme débraillé. C'est Mona qui fut inconsolable. Comment vivre sans confident? Et d'ailleurs, qu'allait-il en faire? De la saucisse, lui avait répondu sèchement Simon, accablé par son propre chagrin. Mona bouda 1 mois durant, et puis un jour, alors qu'elle était élevée à vider les cendriers, le postier lui remit un paquet bardé de timbres et accompagné d'une lettre. « Cher Mona, je t'écris de la part du Magne Blanc, ton mulet préféré, celui que tu soignais avec tant de dévotion. Sache qu'il se porte bien et qu'il a retrouvé du travail en France près d'Avignon. Il m'a chargé de t'envoyer cet ouvrage en te priant d'en prendre grand soin et d'en lire régulièrement un extrait. Tu y trouveras, entre autres, l'histoire de l'un de ses ancêtres, la mule du pape. Je t'embrasse. » Barbu polyglotte. Mona lut à voix haute Alphonse Daudet, lettre de mon nom, puis ferma les yeux et embrassa l'ouvrage. Au coin du bar, Hans Rudolph, le syndicaliste genevois, avait le sourire tendre. Allez savoir, il avait peut-être réussi à lui filer le goût de la lecture à la petite. Ouais. Bravo.